Salut les montagnards, si vous êtes déjà allé faire une course en rocher, vous avez certainement dû poser un relais. Et si vous y êtes jamais allé, c'est peut-être parce que vous ne savez pas poser un relais. Donc aujourd'hui, la compagnie des guides des Écrins, en partenariat avec Objectif Alpinisme, c'est moi, vous explique comment on pose un relais sur rocher, donc comment on pose un relais avec des coinceurs, comment on les met, comment on met la sangle, etc. On vous donne toutes les petites astuces. A tout de suite. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer une fois que le leader est arrivé au relais. Là, on est sur une grande voie avec du matériel, des protections à poser, d'accord. Il y a quelques pitons dans les longueurs au relais, mais il va falloir compléter avec du matériel. Donc pour ça, on a pris un jeu de câblé, d'accord. Vous avez chaque cordée un jeu de câblé, ouais. Avec un décoinceur. Ok, ça ce sera pour les seconds. C'est pour, en fait, si vous voulez, si vous n'arrivez pas, s'il est trop coincé, à gratter un petit peu et à le débloquer. D'accord ? Cette clé sert à ça. Donc ça, c'est pour les seconds. Il y a un truc particulier pour le gratter, pour le faire sortir ? Non, en fait, tu vas voir, quand tu mets un câblé, tu as toujours une entrée plus grosse et une sortie plus petite. Ouais. Donc par l'entrée, ben, tu vas faire rentrer la cam. Hein, tac, tu vas suivre un petit chemin. Et après, hop, il va se bloquer naturellement. Okay. Quand tu es second, à toi de trouver le chemin qui a parcouru la cam pour rentrer, d'accord, et se bloquer. Ça sert à rien de tirer fort ou tirer vers le bas, peut-être qu'il est rentré par le haut, peut-être qu'il est rentré par le bas, d'accord. Il faut juste regarder la fissure, comment elle est faite, et faire le chemin inverse. Okay. Souvent, ce qu'on aime bien, en fait, c'est les verrouiller, d'accord, les cams dans la fissure un petit peu. Donc on tire dedans pour que le métal là soit un petit peu, si tu veux, emprisonné dans la roche. Donc là, avec la main, peut-être que tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'on a un décoinceur, d'accord, pouvoir un petit peu taper dessus, gratter pour le décoincer. Ok. Et ensuite, on a ce genre de coinceur qui s'appelle Friend. Ok. Coinceur mécanique, ça fait comme une tirette, d'accord. On loge le pouce là, la tirette. On réduit l'espace d'encombrement. On le rentre dans la fissure et on le relâche. Ok. Ce qu'il faut avec ce genre de coinceur, c'est ne pas rentrer les doigts de la tirette là dans la fissure. Si vous rentrez intégralement le coinceur dans la fissure, vous ne pourrez plus l'enlever, il sera bloqué. Ok, vous ne pourrez pas rentrer les doigts dans la fissure une fois que vous l'aurez lâché. Donc là, on a quand même peut-être une chance de le récupérer avec le décoinceur, en essayant de récupérer la tirette là avec le décoinceur. Ok, mais voilà, on rentre que les cams dans la fissure, c'est pas la peine de rentrer jusqu'ici. On rentre pas le coinceur en entier, ok. Sinon, il va rester en place. Ouais. Donc le leader arrive au relais et il va confectionner son relais avec au minimum 2 points. Peut-être qu'il y aura un piton de temps en temps. Donc là, le piton, on met un mousqueton dessus et il va falloir trouver un deuxième emplacement pour nos coinceurs. Tu mets un mousqueton ou juste un mousqueton ou une dégaine? Un mousqueton, ça suffit. Il faut, okay. il faut pas passer la sangle directement tête d'alouette dans le mousqueton. Ok, c'est pas terrible. Hein. Okay. On met un mousqueton à vis ou pas, mais s'il n'est pas à vis, on le renverse, d'accord. On met le mousqueton à l'envers. On passe la sangle dedans, on met notre coinceur. Et ensuite, on triangule. Ok. Ok. Donc là, c'est juste un petit exercice. Regardez, il y a une fissure qui est là. Je vais prendre mon friend. Je vais le caler dans la fissure. C'est une histoire d'habitude. Quand je vois la taille de la fissure, je regarde un petit peu le matériel que j'ai et il faut prendre le bon coinceur adapté. S'il est trop grand, il ne rentrera pas. Et s'il est trop petit, il ne mordra pas sur les bords. Donc là, j'ai l'impression que c'est celui-là, le numéro 1. Donc je le replie, je tente. Je le rentre pas trop profond. On fait ce qu'on appelle l'aggressive testing. Ça veut dire, je tire dessus pour voir si ça bouge. Il a l'air pas mal du tout. Ok. J'ai mon premier point, j'ai pas la chance d'avoir un piton, du coup il va falloir que je trouve un autre endroit pour mettre un coinceur. Là, il y a des belles fissures, vous avez vu, ça a l'air assez sympa. Par contre, en fait, c'est un bloc qui fait office de blocage, en fait, et ça va pas être vraiment hyper safe. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça va pas être très très solide. Ce bloc là, en fait, il pourrait venir comme ça, donc je vais pas m'en servir. Par contre, on a un énorme bloc là, j'ai une fissure au-dessus de la tête. Là, je vais essayer de changer d'outil pour vous montrer un petit peu tout. Je regarde ma fissure. Et là, je vois que dans la fissure, je ne sais pas si vous voyez bien,
ça fait une ouverture sur la gauche ou la droite, et puis ça fait un rétrécissement sur le dessus. Donc là, je vais rentrer mon coinceur, j'espère que c'est le bon. Là, il semble être pas mal. Voilà, je m'applique. Je le verrouille un peu, là il bouge plus. Je récupère mon jeu évidemment. Je vais lui mettre un mousqueton. Ok, et là j'ai mes deux points. Donc quand c'est pour un relais, tu mets juste un mousqueton, et quand c'est par exemple un point que tu mets en cours de route, enfin pour... Tu mets une dégaine. Tu mets une dégaine, ouais, ok, c'est ça, d'accord. Donc là j'ai mes deux points. Ensuite je prends une sangle. Alors si les points sont éloignés comme là, il faut une sangle assez grande. Je passe dans mes deux points. Donc celle-là elle est vraiment très grande. Voilà. Donc là j'ai mon relais. D'accord, sur mes deux points. Donc c'est ici que je vais me bâcher. Je vais faire mon cabestan. Vous vous souvenez, on avait parlé des relais multidirectionnels ou ouais. Unidirectionnels. Ouais. Si je fais le choix d'avoir un relais multidirectionnel, on fait la boucle, vous vous rappelez comme ça, ouais. Pour avoir un champ d'action avec mon relais. Et en cas de coinceur qui pourrait lâcher parce qu'il est mal mis, j'aurai quand même mon mousqueton qui serait emprisonné dans la corde. Ok, je vais le vouloir faire avec le mousqueton, peut-être que ça sera plus parlant. Là j'ai mon relais, tout le monde voit bien, je fais ma boucle. Ok, là ici mon mousqueton, donc c'est là où je vais me bâcher. Si ce coinceur là c'est défait, le mousqueton est toujours dans la sangle. Ok, yes. Ça marche. Ouais. Si vous ne faites pas ça, si vous vous accrochez simplement là, ok, si je me vache ici, mon câble est là, imaginons qu'il saute, vous êtes vaché à plus rien du tout. Là, comme ce sont deux points sur lesquels on n'est pas vraiment sûr, moi je vous conseille de faire un nœud, d'accord, sur la corde, parce que vous avez vu, quand on est vaché sur les deux points là, mon point là-haut se décroche, qu'est-ce qui va se passer avec la sangle? Reculez-vous un peu, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le relais, le coinceur là, qu'est-ce qu'il va prendre là-haut? Tac, la vitesse. Et lui il prend un impact, ouais. D'accord, si celui-là il lâche, celui-là il va avoir un sacré impact, d'accord. Alors pour éviter d'avoir cet impact, et du coup ça peut le fragiliser et peut-être le faire sauter, hein, on sait pas. Là je vais faire un nœud. On peut faire un nœud d'huit, une queue de vache. Voilà. Et je vais me vacher dans ces deux boucles. Là si mon coinceur se détache, pas d'impact là-bas. Il est déjà sous tension. Ok, yes. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on fera à chaque fois un petit nœud sur les sangles qui relient les deux points. Okay. D'accord. Et tu mets deux ou trois points pour un relais parce que j'avais lu que parfois si t'étais pas sûr des points, genre... Alors si tes points ils sont vraiment pas bons, tu peux mettre un troisième point. C'est complètement possible. Okay. D'accord. Et il faut par contre bien sûr que le poids soit réparti sur les trois points. Ouais. Ok, c'est pas un point au cas où. Parce que si tu mets un troisième point pour la sangle, ça va être un peu différent, non? Non, ça va pas être différent. Il faut qu'elle soit plus longue. On va essayer. De toute façon, que tu mettes deux points ou trois points, c'est qu'une seule sangle. Non, tu peux. Non, tu peux rajouter une autre sangle. Ouais. Dans le cas où je ne suis pas sûr que mes deux coinceurs soient solides, je rajoute un troisième point. Donc là, j'ai utilisé cette petite fissure. Voilà. Ok. Mon coinceur a l'air solide. Je prends mon premier point. Le deuxième. Là, je viens clipper
mon troisième point donc pour assurer le coup. Et là, je vais venir faire le nœud ici. Voilà, mon relais. Okay. Ok. Et là, je tire bien sur les trois points avec la même charge de poids sur chaque coinceur. Ok. Vous avez vu l'utilité d'avoir une très grande sangle. Avec une sangle de 120, on peut pas le faire. Alors après, il faut bricoler et avoir la même charge de poids sur chaque point. Et il faut essayer de faire des nœuds sur la sangle, d'accord, pour avoir vraiment une bonne triangulation sur les trois points. Ok, mais là c'est un super relais. Là, on peut se pendre tous ensemble. Hein. Ouais. Non, mais voilà, là c'est le relais idéal. Okay. Donc une fois que je suis là, je mets mon mousqueton et je peux me vacher. Ok. Tu te vaches au mousqueton, tu ne vaches pas direct au relais. Enfin, je veux dire. Ça, c'est le relais. Ouais, ouais. Et tu te vaches pas dans la boucle de la sangle, quoi. Quelle boucle de la sangle? Elle est là, la boucle de la sangle. Oui. Mais du coup, le mousqueton de ta vache, tu le mets. Alors, on n'aura pas de vache. C'est pour ça que j'ai pas. Les vaches, c'est fini là. Ok. Il y en a un qui peut me donner un bout de corde. Un bout de corde. Pour le porter, je fais ça. D'accord. J'ai mes deux coinceurs qui sont en place, d'accord. Donc là, je vous montre comment faire. Voilà, là avec mon pote Elliot, on est prêt à grimper. On a une petite longueur de 3 mètres à faire. Ça peut être très dur. Donc je pars en tête, il m'assure, d'accord. Donc je grimpe, il me donne du mou, ok. Je pose mes dégaines s'il y a un piton, je mets un coinceur. Et là, j'arrive au relais. Donc déjà, je m'assure d'être bien stable sur mes pieds pour confectionner le relais. Je suis là-haut, je vois ma fissure, premier coinceur. Ok, il est bon. Là, il y a une fissure là-haut. Je mets un câblé. Voilà. Là, je mets soit ma sangle, sinon je prends ce petit bout de cordelette, d'accord, avec deux mousquetons à chaque extrémité. Je viens mousquetonner mes deux points. Voilà. Et là, je viens faire mon nœud. Okay. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis à ma longueur. Dans ma longueur, au sommet. Mon assureur ne me voit pas forcément. Je vais me bâcher. Donc je rentre mon mousqueton dans le relais, je le retourne, je passe la corde dans mon mousqueton qui va me servir d'assurage, de vache. Et vous vous rappelez, le cabestan, je viens prendre le brin de gauche avec la main droite par derrière. Comme ça, et je viens faire la boucle. Et là, je suis vaché. Je peux parfaitement le régler, d'accord, si je veux me mettre plus près de mon relais, ou je peux aussi m'éloigner pour voir mon grimpeur. J'oublie pas de fermer la vis. Là, je suis bien. Je suis dans mon baudrier, je suis vaché. Donc là, mon assureur ne sait pas que je suis vaché. Donc je vais lui dire, ok, relais. Relais, ça veut dire j'ai confectionné le relais et je me suis attaché dessus. Donc lui, à ce moment-là, il va enlever son descendeur. Okay. Donc tu peux enlever le descendeur. Juste une question, quand tu as deux brins de corde, du coup, tu peux te vacher avec un seul brin. Un seul brin, ouais. Donc voilà, donc on rattaque. Donc j'ai dit relais à mon seconde cordée. Ouais. La corde là, elle fait 50 mètres. Ok. La longueur, elle en fait 25. Ça veut dire que mon seconde cordée a encore 25 mètres de corde qui est posée au sol. Donc une fois que je lui ai dit relais et qu'il a enlevé son descendeur, il va me crier aval. Faut bien être bien écouté, hein, faut être alerte, hein, parce qu'il y a du monde un peu partout. On ne sait pas vraiment si c'est lui qui nous parle. Hein. Vous pouvez dire le prénom de votre coéquipier, d'accord, c'est peut-être plus facile, ok. Johan, aval. Et là je ravale la corde. Alors j'essaie de la mettre à un endroit stratégique, pas forcément sous mes pieds, mais si j'ai une petite vire, je la mets juste à côté de moi. Et là, je ravale l'excédent de corde.
Donc moi, je le vois toujours pas, mon coéquipier, là. Et là, je sens que ça tire, quoi. Est-ce qu'il y a un nœud sur la corde qui s'est fait? Je sais pas. Donc lui, quand il n'y a plus de corde, il va me crier « Johan, bout de corde !» Ah ok, je sais que c'est pas un nœud. Parce que s'il y a un nœud là, comme ça, lui, moi je tire la corde, lui il est en train de le défaire le nœud. Et moi je tire quoi. Et je suis en train de tirer sur la corde, il n'arrive pas à défaire le nœud. J'entends rien, donc là je relâche la tension. Lui il va défaire le nœud. Vas-y. J'attends un petit peu. Puis là j'ai tiré. Ah, c'était vraiment un nœud. Ok. Et là. Bout de corde. Bout de corde. Ah, là c'est bon, là c'est vraiment lui qui est au bout de la corde. Je prends mon descendeur. J'installe la corde dans le descendeur. Là, je suis prêt à assurer. Ok. Elliot, quand tu veux. Et là, il sait qu'il est prêt à partir. Et là, il va me répondre. Johan, départ. Et là, j'assure. Ok. Il arrive au relais. Il rentre son mousqueton comme moi, dans le même endroit, dans la même boucle. Et il fait son cabestan. C'est bon pour vous, les gars? Ok. Voilà. Juste, est-ce que tu peux... Reverso dans le mousqueton là pour assurer, donc il y a bien, il faut bien mettre dans le bon sens, sinon ça. Ouais. Tiens, est-ce que donne ton mousqueton peut-être. Voilà. Ouais. Ouais, merci. Il est un peu pénible. Sur le descendeur, il y a une façon de mettre le mousqueton, d'accord. Le trou qui est indépendant. Aux gorges, d'accord, pour la corde, c'est le mousqueton qui va aller sur le relais. Ok, je mets la corde dans mon descendeur. Je viens clipper avec mon mousqueton à vis le deuxième et la câblette et la corde. Je ferme la vis et le mousqueton qui est sur le trou indépendant, je vais le mousquetonner sur le relais. J'essaye. Ça fonctionne. Si je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. J'enlève la corde du descendeur, je fais un demi-tour avec ma corde et je la remets dedans. D'accord, voyez là, si j'avais mis la corde à l'envers, ça aurait donné ça. Donc là j'essaye. Ah ben non, ça marche pas. Là je suis en train de donner du moule à Elliot. Donc ma corde est rentrée à l'envers dans le descendeur. Donc je me reprends, je la mets dans l'autre sens. La corde qui rejoint le gars que t'assures, c'est la corde du haut, entre guillemets. C'est la corde du haut, ouais. Ouais. Mais alors c'est compliqué à retenir, mais vous la rendre. Alors il y a des petits schémas sur les descendeurs, vous pouvez essayer de les suivre. Ouais. Ok. Et simplement après vous essayez. Ça fonctionne. Ok, quand tu veux. Et du coup, tu peux pas trop laisser. Enfin, c'est difficile de laisser du mou si le mec, par exemple, il a besoin de mou. Alors, si lui, il est en train de grimper et qu'il a besoin de mou. Alors, s'il est pendu sur le relais, c'est compliqué de donner du mou. Mais si vous voulez donner un petit peu de mou, on tire simplement sur ce mousqueton-là et on donne du mou. Ok. C'est-à-dire, si on lâche, ça tient. Si tu lâches, ça tient. Ok. C'est automouvement. Donc, quand il monte. On tire la corde pour... tu tires ça là. Voilà. Là c'est facile parce que il est pas loin, mais il y a une main qui amène la corde vers le descendeur et la deuxième main qui fait le chemin inverse en fait. Si tu fais ça, ça marche pas. Ok, c'est le chemin inverse et les mains se croisent. Ok. Pour donner du mou, on tire un petit peu sur le mousqueton. Le second, pendant qu'il monte, il enlève les dégaines des pitons ou il enlève les coinceurs. Donc le coinceur. Il y a la dégaine qui prend la corde, d'accord, la corde passe dans la dégaine. La dégaine est reliée à la roche par l'intermédiaire du coinceur. Ouais. Vous n'enlevez pas la dégaine de la corde, d'accord, parce que si vous enlevez le coinceur et que ça vient d'un coup, vous risquez de perdre le coinceur. Ouais. On enlève le coinceur, on l'accroche au baudrier et on enlève la corde. Ouais. Ok les gars. Ok.
Okay. Allez, bah maintenant il n'y a plus qu'à. Donc on va essayer de grimper plus ou moins en parallèle quand ce sera possible. Et puis quand ce ne sera pas possible, on grimpera les uns derrière les autres. Okay. Ok, on a formé les cordées. C'est parti. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des Écrins. N'oubliez pas de télécharger vos deux guides. Il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté, 8 courses pour débuter l'alpinisme, et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc ils sont juste en description, juste là. Donc téléchargez-les, ça pourra vous aider. Et puis je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous. Ciao, ciao.